personne il peut apporter un jugement avant le jugement d'Allah. C'est ça, moi, ce que je dis au final. Et selon l'avis unanime de beaucoup de savants, c'est là où on va y revenir, on donne des avis personnels, y compris beaucoup de ulama. Mais au final, la conclusion unanime est que personne dans ce bas monde, même pas les prophètes, peuvent apporter un jugement avant le jugement d'Allah concernant les gens du livre. D'après Abu Huraira, le messager de Dieu, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, dit, par celui qui dispose de l'âme de Muhammad, tout homme, juif ou chrétien, prévenu à mon propos qui meurt sans avoir cru en le message dont j'ai été chargé, fera partie des réprouvés de l'enfer. Et comme le dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, inna min ashrati sa'a an yurfa'a al-ilm wa yuthbata al-jahl. Parmi les signes de l'heure, il y a le fait que la science sera enlevée et que l'ignorance, elle, sera affirmée, donc sera propagée partout, contrairement à la science. Wal-iyadu billah.